Ok. Donc le but du jeu, ça va être de refaire ce jardin tout pourri en un jardin optimisé et expliquer comment ça marche. On aura déjà ramassé tout ce qui traîne. Donc contrôle clic, ça ramasse les choses. Hein. Et ça vous les remet dans l'inventaire. Pour les plantes, ça garde pas l'état dans lequel elles sont, ça les remet à zéro. Par contre, pour tout ce qui est réservoir ou collecteur, ça vous rend le réservoir ou le collecteur avec la force vitale condensée qui est à l'intérieur. Ok, donc normalement j'ai plus rien de planté. Parfait. Bon, ça on verra plus tard. Il me faut storage plank. Ah oui. C'est des bleus, violets, jaunes, storage vide. Bleu, violet, jaune, violet. Ok, disperseur. Alors, dans un premier temps, on va poser les jaunes ici. Donc, un jaune comme ça, un jaune. Ça et comme ça. Ensuite, du bleu ici. Si je fais ça, ça plante partout? Oui. Bon, c'est pas grave. Il est bien placé. Je pensais qu'il était trop au bord, mais ça passe. Hop, on les remettra après. Donc un bleu, deux bleus, trois bleus. Ensuite, du violet. Comme ça, un violet, deux violets, trois violets, et ici un violet. Alors, un jaune, et normalement, le bleu y passe. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite. Ah tiens, il reste des pylônes. Hop. Hop. Ici ça. Non, c'est pas celui-là. Bah, j'en ai pas assez. Bon, on fera comme si j'en avais 6. Hein. Et les bleus, on les met là.
Ok. Est-ce que je peux mettre? Oui. Ah mais c'est 9 qu'il en faut. Bon, c'est pas grave. On va faire avec 6 pour l'instant. Donc, ah oui, mais... J'arrive à leur mettre là quand même. Donc ça veut dire que là, on est relié à ces trois-là. Ces trois-là. Normalement, tout le monde y est lié. Ensuite, ça se chevauche là. Ah putain. Ok, ici. Ok. 1, 2, 3. Hop, c'est par là. Ok. Ensuite, ici, on va mettre des disperseurs. Ça sera fait.
Donc, un espaceur au point, un espaceur au point, un espaceur au point, un espaceur au point. Et ensuite, un disperseur là, avec un pylône là. Disperseur. Là, un disperseur. Là, tac tac tac. Oh, on est pas mal maintenant, il faut relier tout ça. Et ça va être drôle. Donc le jaune, il est où le jaune là? C'est trop loin, super. Isolé, hop. Là ça passe, est-ce que là ça passe? Oui. Par contre, ouais, j'aurais pas dû faire ça.
Non. Là, voilà. Ouh. Ensuite, donc ça c'est un dispersant bleu. Ça c'est un pylône bleu. Ça c'est un dispersant bleu. Ça c'est un pylône violet. Dispersant violet. Pylône violet. Pylône violet. Pylône violet. Dispersant violet. Et ici, j'ai un pylône violet. Un dispersant violet. Hop. Un pylône violet et un dispersant violet. Donc violet c'est bon. Donc bleu, bleu, bleu. Donc mon bleu il est là. Il va sur le troisième. Il va sur le disperseur qui est là. Il va sur le troisième. Là, sur le disperseur qui est là, il va là, il va là, il va là, il va là, pourquoi faire, je sais pas, mais il y va. Ainsi, peut-être pour relier ça. Eh, bah oui. Ça c'est jaune, on verra après. Et ça c'est violet. On peut le relier à ce pylône violet. C'est ça. Jaune, ça va sur le dispenser jaune. Ça va sur le pylône jaune. Ça va sur le dispenser jaune. Ah, c'est trop loin. Une dispersion jaune. Ouais, ça va pas jusque là. Pourtant, lui, normalement, il est bien où il faut. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, c'est un pylône jaune. Qui allait sur... Ah bah oui, c'est pour ça. Bah non, ça marche pas. Non, bah non, c'était bon, je le laisse. Ici, c'est un pylône jaune qui va sur le dispenser ici. Il va sur le dispenser ici. Qui va sur le pylône ici. Qui va sur le pylône ici. Et qui va sur le dispenser ici. Et voilà, c'est tout grand, c'est tout branché.
Donc, à quoi que ça sert tout ça? Eh ben, en haut ici, ça sera pour planter les plantes T2, T3, T4 qui ont besoin d'avoir de l'énergie autre que la leur. Et dans les coins, donc ici, ici et là, c'est pour créer les plantes T1 qui vont permettre d'alimenter les réservoirs puis les autres plantes. Donc là, je vais planter toutes mes T1. Hop. Hop. On va regarder combien il m'en reste. Bah, je peux encore planter les bleus, il n'y a pas de souci. What? Ah, j'en ai plus que ça des bleus, on a dit. Ah bah non, j'en ai plus, après ça se met pas à jour. Et super. Bon, on va les reprendre alors parce que je veux que ça soit tout en même temps. Ah! Non, voilà. Ok. Je peux planter un jaune et un violet. Bon bah un jaune, on va planter celui-là par exemple. Et violet, on va planter celui-là. Voilà. Et maintenant, est-ce que je peux planter... Ouais, je peux toujours les planter. Donc, ça c'est mon champ violet. J'ai que des T2 pour l'instant. Du coup, ben, on va faire comme si. En gros, voilà, je plante une T2. Elle dit qu'il lui faut 4 autres plantes violettes adjacentes minimum tier 1. Donc des T2 ou des T3, ça passe. Et 38 unités de condensed life force bleu ciel. Donc c'est pour ça qu'on met des dispensers bleus ici dans les coins. Pour pouvoir envoyer du bleu dessus. Et lui, il lui faut du jaune. C'est vrai qu'il y a aussi des dispensers jaunes. Sauf que là, elles n'ont pas assez de trucs adjacents. Jaune, c'est à côté. Et bleu, c'est ici. Voilà. Où est-ce qu'on va les mettre ces trucs? On va peut-être les mettre là. Je pourrais en mettre deux, ouais. Violet et jaune par exemple. Hop. Ah ben non. Là du coup, c'est pas ça. Zut, trop près. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire des maps pour que les plantes elles poussent au moment où on ouvre les caches. Donc là, si je vais aller faire une map pour qu'on voit que les plantes progressent. Ah mince, j'ai gardé ça sur moi. Hop, tant qu'à faire, j'avais une glénache à faire, je crois. C'est ça. Ah, tout l'eau, merde. Ah bah non, du coup. Ah bah je peux pas. Bon bah c'est pas grave, on va faire autre chose alors. L'ex Proxima, est-ce que j'ai trois... Oui. Et là, tout l'eau aussi. Oh, c'est nul. Bon bah tant pis. Hop.
Hop, on va aller vite fait. Vite fait chercher le jardin pour montrer ce que ça donne. Et après je répondrai au chat parce que j'enregistre en étant en live et du coup je voulais pas mettre du texte qui a rien à voir avec la vidéo. Des explications qui n'ont rien à voir. C'est pour ça que je ne réponds pas au chat pour l'instant. Ce n'est pas parce que je vous ignore. Jardin il est là, on va ramasser vite fait. Voilà, donc là mes plantes ont progressé. Voilà. Et ici, si je voulais, je pourrais arroser pour que certaines des plantes soient contentes. Le problème c'est que comme elles n'ont pas de copine à côté, elles sont pas encore contentes. Mais autre petite chose que je dois rajouter. Donc comme je l'ai pas dit, il faut bien qu'on asperge les couleurs avec les deux autres couleurs pour couvrir tout le champ. Je mettrai le lien du schéma que j'ai utilisé pour faire mon truc en barre de description. Et ça, les horticrafting station, donc c'est, je peux pas ouvrir le panneau de craft parce que j'ai pas de champ près, mais c'est le craft qui coûte 1800 à faire. Pour 1800, faut pas utiliser le craft fait avec de la life force tout court, pas de la condensed life force. Donc du coup, en fait, faut récolter un champ qui va donner 1800 de life force au minimum en une fois. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, il faut un demi-champ avec du T2, T3, et vous avez largement plus de 1800 et vous pouvez crafter l'horticrafting station. Voilà, parce que la condensed life force, elle sert pas à crafter. Elle sert juste à arroser. Voilà, normalement, je pense que j'ai à peu près tout dit.